Mesdames et messieurs, frères et sœurs, mon groupe société de la dernière génération, bonjour, au moins saluez-nous. Et c'est vos grâces, bon Dieu, ensemble avec nous, les mêmes qui baillent toute opportunité à nous, justement, pour nous nourrir dans sa parole. Maintenant, nous sommes en train à étudier la leçon de l'école du sabbat, plus précisément, partie Mardia, qui c'est 20 juillet, qui dit pardonner et oublier. Pardonner et oublier. Donc, c'est titre, leçon pour matin. Avant tout, nous faisons court prière, notre Dieu, notre Père, c'est pour nous bénir d'éternité en éternité, pour grâce, pour compassion, pour l'amour envers nous. Fais-nous grâce, Seigneur, justement, pour que nous soyons capables de continuer à vivre pour la gloire de ton Saint-Nom, pour nous reconnaître ton nom, pour nous prendre conscience de l'éternel, alors que Seigneur n'a pas de nature à glorifier nous. Pardonne nos péchés, nous fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, l'histoire de David, c'est l'histoire que chaque monde a dû entrer en lui-même pour voir. Et est-ce qu'il n'y a pas gagné un type d'histoire comme ça dans la vie? Si ce n'est pas une histoire d'adultère, c'est peut-être une histoire de tripotage. Ce n'est pas une histoire de tripotage, donc capable de gagner une histoire de manipulateur. Nous sommes capables de gagner une autre histoire de maîtrier, nous sommes capables de gagner une autre histoire quelconque qui part de nature vers les commandements de Dieu. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons le faire sacré en rétrospection. Et cette leçon pour cette semaine, mesdames et messieurs, nous appelle justement pour nous capables de faire une réflexion très approfondie dans la vie, nous, pour nous à qui côté vraiment nous péchés, pour nous retourner côté bon Dieu. Parce que David, bon côté pâle, il était prononcé un jugement vraiment innocemment, involontairement, mesdames et messieurs, sous tête lisse. Sans le pas même connaître, parce que le Nathan a parlé avec le sous-dossier et dossier. Côté Nathan dit si il y a un monde qui vient la caillou, ou t'as vu recevoir, et puis on monde qui gonsel mouton, et puis ou même ou pour un seul mouton pour recevoir mon et puis ou même ou 99 l'autre. On koto qui te pas ou c'est sauvé une faire. C'est juste pour montrer que David d'apoil prononcer jugement, ça sans le pas même connaître, parce que David d'apoil dit moun ça mérite la mort, moun a mérité mourir. Et pourtant, le prophète a parlé de cette personne-là, qui est David. Ouais. Dans 2 Samuel 12, versets 5 et 6, c'est là David pour le prononcer. Hein? Mais, bon côté, Nathan, frères et sœurs, il est simplement venu bon côté David pour qu'il soit capable de faire David prendre conscience. Aider David prendre conscience. Et David te reconnaît, Toli, l'élevine dans de lui-même. Hein? David te vient aider David comprendre gravité péché qu'elle te commette là. Hein? Gravité péché qu'elle te commette là, mesdames et messieurs. Les David vient connaître exactement c'est lui-même qui fait. Parce que peut-être lui-même, il te fait grave péché ça par son autorité, parce qu'il connaît ses rois, il a puissance, il a passé l'ordre, pas de monde qui est capable de dire non. Eh bien, il te arrivé faire péché ça, mesdames et messieurs, dans le sens que c'est à travers pouvoir qu'elle gagne, dominance qu'elle gagne, les simplement les madame, monsieur, et puis madame là, pas qu'à dire non, lui paraît, lui coucher ensemble avec David et commettre une si grave erreur, un si grave péché. Mais David, d'après le rêve, prend conscience à travers gravité péché, ça qu'elle te commette là, frères et sœurs. N'a pas loin, ça, dans Somme 51, côté David, cœur était brisé, hein, lui était arrivé confesser péché, ça qu'elle te commette là. Hein? Aussitôt, prophète l'a déclaré à David, péché lui prend conscience, eh bien qu'on y a là, bon Dieu vient vin laisser passer péché ça que David te commet là. Il t'a supposé mourir, parce que c'est lui-même qui t'a prononcé jugement ça sur tête lui. Eh bien, David pas mourir, bon Dieu te fait la grâce. Bon Dieu t'a utilisé compassion envers lui, mesdames et messieurs. Ce type de Dieu, ça, qu'il a servi. Eh bien, c'était l'homme. Nous t'a mérité mourir à l'instant. Mais puisque Dieu est son Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, qui pardonne les péchés de 1000 générations à plusieurs générations, eh bien, il t'a pardonné David, mais conséquence péché, David t'a subi. Hein? Nathan, t'as quoi expliquer David que péché l'a pardonné?
Bon côté bon Dieu, il a pardonné péché au monde, il a pardonné péché au monde sans délai. Hein? Il a pardonné péché au monde sans délai, mesdames et messieurs. David, pas de pour te prouver sincérité pour que péché l'a été pardonné, mais par la sincérité de Dieu, son péché a été pardonné, mesdames et messieurs. Cependant, David et Nathan, bon côté pâle, il était en prédit conséquence péché, frères et sœurs. Nathan était en prédit conséquence péché. Nathan t'a pas dit, David, dit que petit là, il peut le mourir quand même. Ou après se voir pardon pour dérive ça qu'on fait. Pour dérive ça qu'on commet là. Mais qui te me dit, petit là, pas vivre. Et c'est vrai, petit là, t'es mourir. C'est la conséquence, mesdames et messieurs, de nos péchés. C'est la conséquence de nos péchés. Petit là, lui-même, il est arrivé à mourir. David te repose question ça. Parce que il y a un monde devant qui a effondré. Il y a un monde qui perd du valeur. Il y a un monde, mesdames et messieurs, qui en dérive. Timoun a mouru. Famille David. T'es venu arriver désemparé, mesdames et messieurs. C'était gros causé, oui. Conséquence péché David a tellement grave. Les propres petits garçons qui ont des dolles toute journée pour tuer, connu sous le nom d'Absalom. T'es venu un gros problème, la famille, au camp de la famille de David. Problème, t'as pas accumulé dans la famille David, frères et sœurs. Avenir David est incertain. Et pourtant, malgré conséquences, péché David, le frère et soeur, qui vient toucher de série de monde qui était vraiment innocent dans le scénario, dans la scène. Par exemple, au joint péché David, là, il vient toucher même Uri. Uri trouvait la mort, sans pas même qu'on a rien. Et par contre, pour qui ça le mourit? Petit petit là, il est innocent, il mourit. Il pas même qu'on pour qui ça le mourit. C'est à partir de là, David, tu vas arriver à comprendre, mesdames et messieurs, que grâce bon Dieu, les couvrir, non seulement journée, jour, un jour, demain, mais c'est pour toute grâce bon Dieu là, pendant que nous pas profiter la grâce de Dieu en liberté. Ah bien. Nous sommes capables de comprendre que toutes les conséquences du péché disparaîtront. Mais en attendant, par la grâce de Dieu, David a pu trouver repos pour l'homme. David a pu trouver repos pour conscience qui était troublée. Lorsqu'il finit de recevoir la nouvelle, la conscience est troublée. Moun qui a le Saint-Esprit de Dieu dans vous-même, leur péché, ou doit troubler. À tel point où assurer au que péché ou yo pardonné. David a besoin le pardon de Dieu. Dans Somme 51, l'Europe lit Somme ça, mesdames et messieurs, où tu as dû garder vie ou personnellement. Parce que David te tellement prend conscience, il t'a parlé publiquement. Faire connaître quel péché, les confesser péché publiquement. Et David fait publiquement, faire tout le monde connaître ce qui t'est passé. Hein. Pendant que David a crié à Dieu, David fait appel de l'amour bon Dieu qui est indéfectible, mesdames et messieurs. Et de grande compassion, mon Dieu, t'es rentré en compassion pour David. C'est à partir de là, David t'a pu aspirer, David t'a pu faire connaissance avec sa collègue au nouveau départ.
petit temps, nos frères et sœurs, pour nous réfléchir réellement. La signification reposée en Jésus-Christ, son bagage, mesdames et messieurs, nous t'avons senti dans les biens, les nous prenons petit temps pour nous réfléchir, les nous dit reposer en Jésus. Jésus dit, c'est pour que nous capables de joindre les nôtres qui fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. N'a pas arrivé comprendre ça. C'est là nous engloutis avec nos problèmes. C'est là l'esprit nous a tracassé. Eh bien Jésus-Christ pour des types de solutions ça dans la vie nous. N'a pas comprendre que reposer en Jésus ça le dit. Mais pour ça est arrivé fait. Faut nous mettez-nous d'accord pour nous reconnaître que mesdames et messieurs nous avons besoin d'une aide extérieure. Que c'est Jésus de Nazareth. Nous n'avons pas pour nous connaître. Faut que nous reconnaissions que nous sommes tous des pécheurs. Et nous tous avons besoin d'un sauveur. Si vous passez sans tout au péché, c'est parce qu'on passe ou pas besoin d'un sauveur. Mais ou même qui est humble, ou même qui a rentré, mesdames et messieurs, dans tout ça qui passe ça, eh bien, on connaît que ou besoin d'un sauveur pour qu'il lave, pour qu'il purifie, pour qu'il mette au sous monde, pour qu'il mette dans une autre dimension spirituelle. Là, nous reconnaître péché, nous, yo. Le nap crié à moun si la, mesdames et messieurs, que c'est seul moun qui gen pouvoir pour laver péché nous yo. Moun sa qui gen seul pouvoir pour purifier nous, mesdames et messieurs. Moun sa qui gen seul pouvoir pour transformer nous. Ah bien, li pa l'autre moun qui Jésus de Nazareth. Et le nous fait ça, nap jwenn soulagement pour nam nou. Nap ka pran courage. Parce que David, mon côté parle, c'était un homme adultère. Monsieur, c'était un manipulateur. Il manipulait Madame Lan. Il manipulait Monsieur A. Et Monsieur vint un criminel. Côté, il vint commettre des meurtres. Il tuait. Et la Bible dit, Piga ou tué. Piga ou fait adultère. Au moins, monsieur fait, monsieur piétiner au moins 5 dans le commandement, mon Dieu. Et pourtant, il fait appel à bon Dieu pour que bon Dieu soit capable d'aider, lui réclamer la promesse de son pardon. C'est ça, David dérivé fait, frère et soeur. Ce type de conscience, ça, pour moi, il m'avait repris pour que nous soyons capables de mener une bonne vie en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a capable de pardonner péché nous parce que il a pouvoir pour ça. Il a autorité pour ça, mesdames et messieurs. C'est pour bon Dieu bénir nous déjà passer une très bonne journée en bas la puissance de Dieu. C'était votre serviteur Marc-Antoine Prosper.